cette plante dans les régions subtropicales et dans les dentifrices et les rince-bouches. On dit que c'est un incontournable pour ta routine de beauté et de santé. L'eucalyptus, je teste ça pour toi. Test 1. L'eucalyptus est connu en aromathérapie. C'est-à-dire qu'on peut mettre des gouttes dans un bol d'eau chaude quand on est malade. Et quand on respire ça toute la nuit, par exemple, ça débloque les voies respiratoires. Tout de suite, je l'ai senti dans mes poumons. Ça sent tellement bon. Puis c'est très rafraîchissant. Test 2. Pour avoir un visage resplendissant, on propose d'ajouter quelques gouttes d'huile d'eucalyptus à ta crème hydratante après avoir nettoyé ton visage. OK, donc je vais essayer la crème. Oh! C'est vraiment rafraîchissant! Oh, puis ça sent tellement bon en plus! Mais je pense que pour voir des résultats, il va falloir que je l'essaye plus qu'une fois. Test 3. Pour les cheveux, on suggère de mélanger 50 ml d'huile d'olive avec 5 ml d'huile essentielle d'eucalyptus et de masser le cuir chevelu pendant 10 minutes. Ensuite, lave-les normalement. La rumeur dit que ça aiderait à la pousse des cheveux, à les rendre plus épais et brillants, et que ça éliminerait les poux. OK, c'est l'heure de me laver les cheveux. Alors, pour le verdict, c'était très relaxant de masser mon cuir chevelu, puis je pense que mes cheveux sont un peu plus lisses. C'est sûr que je vais le réessayer à un moment donné. L'eucalyptus, produit approuvé par Cléa.